President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Reprise de l'audience. And the chamber gives, before the chamber gives the floor to the parties, avant de passer the chamber la parole would aux like to inform la chambre aimerait informer. Publics and parties le public that et les parties the winners 2TCW 946, whom 946 the chamber is scheduled to hear him via video link from que la chambre prévoit d'entendre Germany par vidéoconférence on 10 depuis l'Allemagne le 10 and 11 January of 2017 du 10 au 11 janvier 2016 is not possible. And the schedule n'est pas en mesure de témoigner. To hear this witness will be informed by the chamber in due course la chambre and as soon as possible. Les parties du calendrier de l'audience de ce témoin dans les meilleurs délais. Madame witness, have you reviewed the orange logbook of a prisoner incoming or prisoners at S21 already? Witness, Mr. President, I have reviewed S21. Already. Réponse. Oui, I have reviewed it already. J'ai déjà I la received j'ai déjà it le registre. In hard copy j'ai reçu une version before papier December. Avant décembre. I did not have the original copy, but as I said, I already reviewed it during the break time. Comme je l'ai dit, je l'ai President, thank you very much. And André Guisset, you may now proceed. Merci, Madame. Maître Guisset, vous avez la parole. Je suis désolée de vous interrompre, Monsieur le Président, mais I'm sorry to interrupt you, Mr. President. En français, ni en français ni en anglais, je crois, nous n'avons compris exactement ce qui a été dit au sujet in French and in English, we didn't quite understand du témoin qui était prévu à partir de demain. About the witness est-ce que c'est possible d'avoir la pression to begin enfin, on n'a pas compris s'il ne venait pas du tout, we didn't understand if he wasn't coming at all, s'il venait éventuellement plus tard, or if he was going c'est pas to come clair. Later. It's just not clear. President, regarding the witness to the tomorrow's witness, the chamber is not possible to hear him, and the chamber will inform the parties later on. As of now, the chamber is seized of little information. We are now in the process of communication with that individual, and the information is not clear. La personne visée. Mean the, I mean the chamber has not yet received clear information and the chamber will, will proceed to hear the witness as soon as possible and the information will be delivered to the parties later on. It is now not clear for the chamber whether or not it is possible to hear the witness. We are communicating with him. We have done our best efforts in order to be able to hear him, but as of now, as I said, it is, we are not yet clear whether or not we can hear pas the witness. Claire à ce sujet. And now the floor is given to the co-prosecutors to resume the questioning. Est passée à l'accusation pour reprendre l'interrogatoire. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Good afternoon, Madam Witness. Bonjour, Madame le Témoin. You have stated a number of times this morning vous avez dit à plusieurs reprises ce matin, that you compiled the list, the OCIJ list of 15,101 S21 prisoners, based primarily on a review of the prisoner entry list. Sur la base d'un examen are you de la able liste to give us a rough approximation of how many or what percentage of the 15,100 prisoners came from S21 entry lists, and what percentage came from other sources than entry lists? I did not conduct the analysis. Réponse.
how many patent takes of 15,100 came from the entry list and how many other percentage came from other sources. I did not conduct the analysis on that. Je n'ai pas fait d'analyse à ce sujet. Did you go through and review and put into the spreadsheet all the prisoner entry lists first? Was that the methodology you followed? Tous les noms figurant dans la liste des prisonniers entrants, dans un premier temps, est-ce la méthodologie que vous avez suivie? Regarding the methodology, first, I mainly focused on the list of incoming prisoners from 1975 up to 1979. I focused on those lists. Je me suis concentré sur ces listes. Normally, there are list of incoming prisoners on a daily basis, weekly basis, monthly basis, and yearly basis. And then I will review other documents as indicated in various columns, for instance, the biographies or other lists. And so my question was, when you finished going through all the entry lists, do you have an estimate of how many prisoners you had? Are you able to tell us were most of the people in the list of 15,000 names you got from the prisoner lists? Can you give us your best recollection about that? 15,000 et quelques prisonniers figurant sur cette liste. Pouvez-vous nous dire quel souvenir vous gardez? My apology, I cannot give you the answer. I did not analyze how many percentage came from the entry list and how many others came from other documents. Let me clarify. Generally, we did not have all documents regarding the incoming prisoners. So I depended on the list of prisoners, for example, the list of prisoners in January, par exemple, February, that is on a monthly basis. I would like to bring up an actual example. In April 1977, the list of 19 April 19 up to 31st April, 30th April of 1977, there is no sufficient information, so I had to review other documents in order to supplement the lack of certain information. Compléter les lacunes informationnel. Let me try it one more a different way. Question. The information we received in the memorandum from Judge Bolander indicated that you worked on this project for about 24 months. Do you remember how long, how many months you spent of those 24 months in going through the prisoner entry lists from the earliest ones to the latest ones? Ces listes de prisonniers entrants, depuis les premières listes jusqu'aux listes les plus récentes. Combien de mois sur ces 24 mois avez-vous consacré à ce travail? Based on the experience, I worked on the list. Réponse. Concerning the list of 1976, I spent almost half a year to review it because the list was so confusing car, la liste in terms of incoming prisoners and outgoing prisoners. Entrants et sortants. So I had to review other documents as indicated in the memorandum. This is my experience. Dans le memorandum. And as for the list of prisoners of 1977, it is comparatively clearer
because there is indication of place of arrest, names, and other information. Again, the list of prisoners, incoming prisoners of 1977 is much more clearer than that of 1976. As I explained, the list of prisoners from 19 April up to 30th April 1976, some information is missing. That is why I had to go through other documents in order to find the relevant information. I had a review the controlling list of prisoners, and I reviewed the names of prisoners who entered that location. I had to locate some other information in order to make sure about the prisoners. D'autres informations regarding the list of prisoners m'assurer de l'identité of 1978, the one who drew up the list was so was very experienced, and he had the lists of prisoners on a monthly basis and an annual basis. So I had sufficient information regarding that list. Suffisamment d'informations concernant cette liste. So how many months or years was dedicated to le nombre, alors, le nombre de mois ou d'années que j'ai consacré. A certain list or documents, I had to first look at the document whether or not there is sufficient information. Again, I spent almost 1 year to review a list of prisoners in 1977 and 1978, and I had to spend other time going to the Tourcelin Museum to locate some documents. Thank you. That's very helpful. Merci. C'est très I utile. Want to follow up on a couple of documents that were shown to you sur quelques documents qui vous by ont été Defense remis Council this morning présenté par in la questions ce matin. About whether the documents you reviewed originated from S21. La défense cherchait à savoir si les documents que vous avez examinés émanaient de S21. But, je ne sais pas si vous avez toujours le classeur, mais Monsieur le Président, witness, j'aimerais présenter tout d'abord au témoin le document E3-9850, qui est l'un des documents witness was questioned on this morning. Sur lequel le témoin était interrogé ce matin. Yes, please. Le président, allez-y. This was the first document that Nunchea's counsel asked you about, showed you and asked you about this morning. Que vous a présenté la défense E3 9850, which is a DC CAM document D01167, a list of prisoners who entered on the 16th of January 1977. And I've highlighted on that list the very first column of the prisoner entry list. And my question to you is based on your review of records. Did you observe other documents like this, which contained a column identifying the building in which the prisoner had been detained? The first column here appears to indicate the building, specific building in which the prisoner had been detained. Based on your review, did you see many documents like this? Was d'après this a common examen, practice? Avez-vous vu beaucoup de documents de ce genre? Était-ce une pratique courante? That is correct, Mr. President. Réponse, c'est exact. I used to see this type of document. There are j'ai eu many à voir ce more type de document. Of this type. Il y en a beaucoup d'autres. There is the column of name il y a une colonne of the prisoners who entered on a daily basis. Des prisonniers entrés sur une base quotidienne. The second document that Nunchea Council asked you about is E3
sur lequel 10398. Vous a posé, le Conseil de la Défense du Militaire vous a posé des questions. C'est le document E3-1096. J'aimerais qu'il soit remis au témoin. Copie de ce document. Yes, please. Le Président, allez-y. This document, you may remember, Madam Witness, is the handwritten list of prisoner names, one of whom was Heng Sokhom, who, as was discussed this morning, appears as number 1968 on the OCIJ list. Au numéro 1968 de la liste du BCJ, et dont nous avons parlé. Based on our search, we did a search of the OCIJ spreadsheet at lunchtime. This prisoner was the only instance in the entire OCIJ list of 15,000 prisoners in which this specific document was cited. And what I wanted to make sure I understood is it correct that this prisoner, Heng Sokhom, was included on the OCIJ list because he appeared in a prisoner entry record, and that this handwritten list was cited as what you call the corroborating document confirming further information about this prisoner. Is that correct? Dans ce que vous appelez élément de corroboration pour attester de l'identité de ce témoin. Est-ce exact? That is correct. Réponse oui. The original document shows that document his name is in another list of incoming prisoners. Sur notre liste de prisonniers entrants. In one column there is no indication of his function or position that he is a professor. That is why I told the chamber already that I additionally added the information in terms of his function and position. That is where he was from. And in the document that I've handed to you, that counsel asked you about this morning, E3-10398, Heng Sokhom's name appears on the 12th page, Khmer, ERN 0116038. I've highlighted that reference for you. Document 10398. What I wanted to ask you about, you made a brief reference to this morning. I wanted to follow up. Vous avez brièvement fait the second to last column in this document, matin, if you look in the first page, is titled Number of Documents. If you turn to the first page, there's page, a column that's titled Number of Documents, and each prisoner has a number in there. And for Heng Sokhom, the number is a total of 11 documents. My question for you, did you see other S21 records that contained a column like this? And what was your understanding based on your review of what the information in this column meant? Et à votre sens, d'après votre compréhension, que signifiaient les informations figurant sur cette colonne? I would like to inform the chamber that this table consists of a number of the documents, and Treu was the one who was in charge of the documents. That is, that whenever a prisoner came, he had to indicate the documents related to that prisoner. Les documents relatifs à ce prisonnier. I am not sure if there are 11 documents related to Heng Sokhom, as indicated in the column. I have already told the chamber already that I worked on the list of incoming prisoners, and I added only the information that I reviewed. Je n'ai ajouté que les informations
examiné. And continuing on the issue of prisoners who had multiple records from S21, in your spreadsheet, there is space for you to provide references to four supporting documents. Il y a un espace où vous donnez des références. Columns, letter 0, letter O through letter V. La colonne portant la lettre O à V. Contain the title DCCAM document number, DCCAM number and ERN, and you have côté space ERN to do that four times. My question et is, did you find some prisoners who had more fois. Than four supporting records? And if so, plus de quatre documents justificatifs? Why was the spreadsheet limited to just four document references? La feuille Excel ne se limite qu'à quatre références. Thank you so much. Allow me to inform the chamber that out of 13,000 plus documents, sur les 13,000 et plus de documents, some names appeared four times. Certains noms apparaissent quatre fois. But because of time limitation, mais I had to put in the information according to the time frame, for example, starting from 1976. Selon la période temporelle, after my review, à partir de 1976, par exemple, I found that names are found, so I had to include the names, for example, Hing Sokom came from Dalai. Provenait de Talley. And there is no indication of his position that he was a professor from the U.S. And after my review of other documents, I have found that, so I included that information regarding to this person. Relativement à cette personne. And the other question about the spreadsheet. The very next column in the spreadsheet, column W, is titled ERN number of relevant page. And it usually contains an ERN that comes from some source other than the specific documents that are listed. Can you explain what the reason was for that column? Column W, the ERN number of relevant page. Cette colonne W, page ERN des pages pertinentes. Réponse. En ce qui concerne les ERN, I reviewed documents of cases 01 and 02. Des dossiers 01 et 02. Some of those ERNs have certains something to do with the previous case files 03 and 01 and 02. De ces ERN les précédents I was allowed by my team head leader to use the page number and ERN numbers. So I included the ERN and page numbers whenever I added extra information to be sure that the information is consistent. Afin de m'assurer de la cohérence des informations. There are many documents that I review certain prisoners had more than four documents. Certains prisonniers avaient plus and de as I said, documents. I reviewed the prisoners according to the year, comme and since I had limitation, time limitation, I did not review everything. Les contraintes de temps, je n'ai pas pu tout examiner. The last subject I want to cover with you today le dernier sujet que j'aimerais aborder avec relates vous to the reason Council has pointed this out to you and repeatedly noted this during these proceedings. The reason that there are only 5,512 execution dates in the OCIJ list.
5512 dates d'exécution sur la liste du BCGI. Told us a little bit about that this morning. You indicated that you primarily focused on the prisoner entry lists and had limited time to look at the execution lists. What I want to make sure is clear, do I understand correctly that you did not have sufficient time to go through all the execution lists and put all those dates into the spreadsheet? Is that correct? Et inscrire toutes les dates dans la feuille Excel. Est-ce exact? That is correct, Mr. President. Réponse, oui, c'est exact. And just because Defense Counsel has made a big issue of this, I want to take you to show you a few execution lists. La défense a monté cette question en épingle. Je vais donc vous présenter quelques listes. To see and ask you about whether or not they were incorporated into the OCIJ S21 list. With your leave, Mr. President, I'd like to provide first to the witness document E3-8463, specifically ERNs Khmer 00016040 through 16074, English ERN 01032508 through 2536, which is an S21 list titled List of Prisoners Smashed on the 27th of May 1978. If I may provide that to the witness with your leave, Mr. President. J'aimerais présenter ce document au témoin avec votre autorisation, Monsieur le Président. Yes, please. Le Président, allez-y. The document that I've handed to you, Madam Witness, is Madame le témoin, je viens a list titled List of Prisoners Smashed on the 27th of May 1978. The list is dated at the very end on the 29th of May, cette liste est datée, and it contains 582 names of prisoners who were sent for execution. The reason I'm asking you about this list, and I don't know whether you are able to run a filter on your spreadsheet, but if you filter, if you search for this date, 27 May 1978, in the date of execution column in the OCIJ spreadsheet, there are only 107 prisoners who are recorded with this execution date. This list has itself has 582 names. Et cette liste elle-même comporte 582 noms. The reason I'm starting with this list, la raison pour laquelle when je we looked at the names, if you filter on there, lorsqu'on examine when we looked at the names that were did have the execution date recorded, dont la date d'exécution est the first 102 prisoners on this list, that is the first six pages of the Khmer original, les six premières pages de l'original prisoners Khmer. 1 through 102 have the 27 May 1978 execution date recorded. But the remaining prisoners do not have à savoir celle du 27 mai 1978. Mais les autres prisonniers my question to you is, why is that? Do you remember this document? Do you remember why it was that you were unable to record pourquoi all of the dates for all 580 prisoners? Inscrire toutes les dates des 582 prisonniers. Yes, Mr. President, I object to this question because the underlying Khmer document is parce not in fact le document sous-jacent one Khmer document, but it is a compilation of many Khmer documents. Mais une compilation de plusieurs to document. Present this to the witness as one
au témoin. Exhaustive list of that particular date. I think liste exhaustive misrepresenting the evidence. D'une date particulière est une dénaturation de la preuve. Obviously, it's difficult for me to read the Khmer original, but pour moi de lire l'original en Khmer. The document with this particular E3 number mais le document portant is in fact cette côte consisting of many various E3 documents with many different de plusieurs typographies, formats, etc. Avec des formats et des typographies différentes. I object to this question because the underlying assumption is je fais wrong. Objection car l'hypothèse qui sous-tend cette question est erronée. The reason I listed specific ERNs is si this is les part ARN of précis, c'est parce E3-8463 consists of multiple 8, different 4, lists, 6, 3, that is correct. Un grand nombre de listes, the ERN ça, exact, I cited is one, que cité, one list only ça, within seule that document, and it's a document. List of prisoners, it's titled List of Prisoners intitulé Smashed on 27 May 1978. It runs consecutively from number 1 commence par le numéro 1 jusqu'au numéro 582 et ensuite il y a une date. Donc il est très clair que c'est un document autonome. Il a été utilisé dans le cadre d'interrogatoires. Moi-même, j'ai interrogé Doig sur cette liste. Les juges s'en souviendront. Donc, il est permis d'interroger ce témoin sur cette liste. Le président. President, the question is permissible and the la question est autorisée. L'objection de maître Coppe est rejetée. Witness, please respond to témoin, the question veuillez put répondre by the à la question posée par l'accusation. Witness. Le témoin. Please repeat your question. Pourriez-vous répéter la question? Yes, specifically my question about this list is that if you look, we looked at the first 102 names that appear, that's the first six pages of the document, les six premières pages. And for all of those persons, dans tous les cas, the 27 May 1978 27 mai execution date is included in your spreadsheet, est précisé dans votre tableau Excel. But it was not included mais for the cette date n'a pas subsequent été prisoners pour les on the list. Prisonniers ultérieurs and de la liste. My question is, you've indicated voici that you didn't question. Have time vous dites n'avoir pas eu le temps d'examiner entièrement execution lists. Les listes was this an instance where you didn't est-ce have que ça, time, c'est un cas de figure or do you remember why vous n'avez pas eu de temps, why the dates bien, were only included vous souvenez-vous for the first pourquoi one, approximately 100 pour les 100 premiers prisonniers environ qu'une date a été incluse. Réponse. Based on the information on my list, compte tenu des informations figurant dans ma liste, list initialement, je m'appuie sur la liste de prisonniers entrants. And if the execution list indicates la the liste date of the des exécutions précise une date, alors là, je vérifie aussi les dates d'exécution. And if the dates match, si les dates coïncident, I alors, would skip it because I could rely on the je previous mets existing cela, car je peux m'appuyer sur les données antérieures. Et dans le cas présent, concernant ce document précis, when we review the list, for example, on the 27, prenons par exemple. Of May le 27 mai 1978, when we that date, lorsqu'on opère the une sélection will be à partir de cette date, plus. On arrive seulement but à un peu plus de 100. Document, mais dans le names. Document original, il y a davantage de noms. So it means that I donc, refer to other documents, j'utilise besides this one. D'autres documents que celui-ci. And when we filter, for example, quand on opère only one un particular filtre day, you could à partir d'une date that, précise, number,
On peut voir apparaître un certain nombre, mais peut-être que certains noms apparaissent pour la date suivante, en l'occurrence le 28. Parfois, la date d'exécution n'est pas unique. Tout dépend de la personne ayant établi la liste. Parfois, la date peut être le lendemain. And that is based on the information that I reviewed on the existing documents. Je dis ceci en m'appuyant sur les informations que j'ai examinées dans les documents existants. That another, donc, document exists, il se peut qu'il existe un autre document date. Comportant une date différente. And if the name already exists, si then I do not include déjà, that name alors, on the list, je ne on my list, pas because ma our liste. Primary focus is pourquoi not on the parce list notre of the execution. Ne se porte pas principalement sur les listes d'exécution. And we do not verify every single entry due et to a time pour limitation. Chaque entrée, on ne fait pas une vérification, as I said, faute de temps. I review, comme je l'ai dit, of the execution list, j'examine certaines time, des listes d'exécution. Si j'en ai le temps, j'inclus la date dans ma liste. But I did not have time mais to, je n'ai pas eu le temps include every single de entry le faire since I had systématiquement, to move on to the next batch. Puisqu'il m'a fallu passer au groupe suivant l'accusation. Je comprends bien. Pour votre information et pour mémoire, nous aussi, nous avons fait une recherche par rapport au 27 mai 78 pour voir si certaines de ces dates auraient pu être entrées pour cette date-là, mais il n'y a pas eu d'entrée pour cette date-là. Pour que vous compreniez bien également, les 582 prisonniers de cette liste figurent dans votre tableau Excel. Mais dans le cas de plus de 400 personnes, la date d'exécution est manquante. Je prends quelques autres exemples à présent Understand pour what happened with the execution dates. Bien comprendre ce qui se passe Mr. concernant les dates d'exécution. There are four, Monsieur le Président, large execution il existe quatre longues listes d'exécution figurant dans le document 2285. J'aimerais faire remettre les originaux au témoin. Pendant ce temps-là, je vais donner les ERN. Yes, you le président, allez-y. For the record, the four documents that are being provided les quatre to documents the witness are the following. Remis aux témoins sont les suivants. They all come from E3 tous viennent de E3/2285. The first is a list of prisoners liste smashed de prisonniers on the 9th écrasés of December, 1977. Le 9 décembre 1977. It is Khmer ERN 00009293-9302 English 00873-605-633. The second document deuxième document is a list of prisoners liste smashed de prisonniers on the 15th écrasés of October, le 15 octobre 1977 Khmer ERN en Khmer 00009147 through 9162 English 00873-281 through 320 à 320 the third troisième is a list of document, prisoners liste de prisonniers écrasés on the 3rd of August, le 3 août 1977, which is at Khmer en Khmer 00009247 through 9254 en anglais 00873-521 jusqu'à 540 and the fourth, et le quatrième document, le dernier, liste de prisonniers exécutés on the 20th of le 20 July, juillet 1977 It appears at Khmer 00009226 through 9233
and English 00873466 through 486. Madam Witness, the reason I've provided you these four lists, the first, the list of prisoners la première smashed liste, on the 9th of December 1977, identifies 301 prisoners sent for execution on that date. When we filter for the 9th of December 1977 in the date of execution column et la colonne de la date d'exécution on the OCIJ list, however, dans la liste du BCJ, there are no prisoners cependant, reported on ne trouve pas de prisonniers pour cette date d'exécution. The second, the list of prisoners smashed on the 15th of October 1977 identifies 418 prisoners executed on that date. When we search for the 15th of October 1977 in the date of execution column, there are only 12 prisoners recorded as having been executed on that date. Ayant été exécuté ce jour-là. The third list, troisième liste, list of prisoners prisonniers from Bang Hussrey's section smashed on the 3rd of August 1977. Exécuté lists le 3 août 279 prisoners executed on that date. Prisonniers exécutés ce jour-là. But there are only eight mais people on ne trouve que 8 personnes pour lesquelles, à date d'execution, date et celle-là dans la colonne du BCJ. Et enfin, dernière liste, a list of 231 prisonniers exécutés le 20 juillet 1977. Only seven of, however, seuls 7 d'entre eux, toutefois, apparaissent that execution date in the pour OCIJ cette date d'exécution dans la liste du BCJ. The point of all this, you've indicated that it was not the focus of your vous avez dit que votre travail ne portait pas that you've là-dessus. Already told us that you did not vous have time to vous pas put in all the execution dates. D'inclure toutes but les dates is it correct d'exécution? That the reason mais, we don't have execution si dates l'on ne trouve pas for de the many hundreds of people pour les plusieurs centaines de personnes figurant was simply dans ces because listes? You didn't have time simplement parce que vous n'avez pas eu le temps que ce n'était pas l'objet premier de votre travail? Maître Coppe, objection. La question est orientée. Nous avons fait le calcul au fur et à mesure. If he is correct, si l'accusation then, a raison, roughly, alors another thousand, might be added environ 1000 autres list personnes of, pourraient être ajoutées aux listes d'exécution, ce qui nous fait arriver à peu près au même nombre de crânes recensés par l'expert Vouti. Nous sommes encore très loin du nombre de 15 000. Laisser entendre aux témoins qu'elle a omis certains chiffres, alors qu'en fait il y a 15 000 exécutions, puisque c'est ça l'idée sous-jacente, c'est erroné, d'où mon objection. On ne peut pas orienter le témoin dans ce sens. L'accusation. Je vais répondre. Je suis prêt à poser au témoin une question ouverte. But the statements that counsel has just made are incorrect. In fact, la défense from the five se trompe, execution réalité, lists I've just identified for this court, parmi les cinq listes d'exécution que j'ai identifiées, an additional 1,650 execution en plus, dates. That 1650 dates d'exécution à ajouter aux 5500 apparaissant déjà. Et ça, c'est en s'appuyant seulement sur ces cinq listes. Et ce n'est que le début. But we can argue about that some other time. On pourra en discuter à un autre moment. Mais ma question est la suivante. Pourquoi, pourquoi est-ce que ces dates d'exécution ne sont pas dans le tableur du BCJ? Le témoin. Regarding the four documents that s'agissant des quatre documents que j'ai reçus de l'accusation, il s'agit de listes d'exécution. That is, the prisoners who were smashed il s'agit de prisonniers to the day and écrasés month. En fonction de la date. For example, on the, par exemple,
9th of December, pour le 9 décembre 77, on this list, dans cette liste-là, vous dites que seul un petit nombre de ces prisonniers apparaissent dans ma liste à moi. I reviewed these names, j'ai examiné ces noms, did not include the information mais je n'ai pas inclus les informations data, relatives à la date d'exécution, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire. And I already made mentions about the period of the 19 to 30 the April. J'ai déjà évoqué la période du 19 au 30 avril. J'ai dit que je n'avais pas de liste de prisonniers entrants pour cette période. On this particular document, concernant Eng Vong Som Kol, ce document, notamment Eng Vong Som Kol, arrivé S21 le 28 avril 1977, j'ai seulement extrait ce nom et non pas tous les noms apparaissant dans la liste, car il y avait des centaines de noms dans la liste. Je n'ai pas examiné chacun de ces noms, faute de temps. And my main concern is to avoid any je voulais duplication surtout of names éviter les doubles regarding the list of names of the incoming prisoners. S'agissant des listes de noms de prisonniers entrants. And the names that appear on the execution les noms list. Et par rapport aux noms dans les listes d'exécution. J'ai dû donc être prudent. If I were to focus on the four execution list, si then I would need to spend much more time. J'avais travaillé essentiellement the sur les listes d'exécution, les quatre. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps là-dessus, plus de temps que pour travailler sur liste de prisonniers entrants. J'aurais en effet dû examiner plus de 15 000 noms et il m'aurait fallu bien plus de temps pour le faire. Et pour éviter tout doublon, j'ai dû être très prudent. For that reason, I cannot say, for example, on this date of 28 donc, April, par exemple, hundreds of people were executed. Pour la date du 28 avril, je ne peux pas dire combien thank de personnes ont été exécutées. I think that's clear. L'accusation. Merci, je crois que c'est clair. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces gens soient absents de vos listes. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont sur vos listes. Ce que je dis, c'est que la date d'exécution n'est pas indiquée concernant ces gens. Based on your review of the entry lists, were recorded that way. Do I understand correctly then that si je comprends bien, vous n'avez simplement pas eu le temps d'examiner toutes les listes d'exécution ni de saisir les dates d'exécution de chaque prisonnier, n'est-ce pas? Yes, that is correct. Réponse, c'est exact. Thank you very much for all your time compiling this list and for your appearance here today. Tout ce temps à établir ces listes. Merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Nous en avons terminé, Monsieur le Président. Le Président. Thank you. Merci. And the chamber now hands à présent, to the lead la parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui pourront interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Et bonjour à tous. Nous n'avons pas de questions pour le témoin. We have no questions for the witness. En dernier lieu, la parole est donnée à la défense. And Councillor Copper, do you wish Maître to put Copper, questions to the witness regarding interroger the le témoin arranged logbook? Concernant le registre orange, Maître Copper, je parle ici the list of de prisoners la liste de prisonniers qui apparaît dans le registre orange. Maître Copper, oui, j'ai aussi d'autres questions à poser, questions que je n'ai pas pu poser ce matin. En principe, la défense de Que Sampan intervient d'abord et ensuite, s'il reste du temps, c'est moi qui en profite. Je pense que c'est la bonne façon de procéder. Merci, Monsieur le Président. Je rassure tout de suite la Chambre et les parties. Je n'ai que de
très brève question de clarification par rapport à ce que vous avez indiqué ce matin. Bonjour, Madame le témoin. Deux petites précisions par rapport à ce que vous avez dit ce matin au sujet des documents auxquels vous avez eu accès pour l'élaboration de cette liste. Vous avez notamment indiqué que vous avez vu des documents sur lesquels il y avait le logo de S21 et il y avait d'autres documents sur lesquels il n'y avait pas de logo, mais que vous avez pu reconnaître comme étant des documents de S21 par rapport à la manière dont ils étaient rédigés, etc. Ma première question va être de savoir si, dans le cadre des documents qui vous ont été donnés par votre hiérarchie, parce que je peux comprendre que c'est comme ça que ça se passait, est-ce que vous avez jamais eu en main des documents qui venaient d'autres centres de sécurité de, que S21 ? That is security centers other than S21. Yes. Oui. Among the 13,383 documents that I parmi les 13,383 documents que j'ai examinés, il y en avait qui provenaient d'autres centres de sécurité. Il y avait aussi des documents datant d'après 79, mais j'ai sélectionné seulement les documents relatifs à l'arrivée S21. Donc, si je comprends bien, vous avez examiné les documents que vous avez écartés. Dans ces conditions, est-ce que ces documents que vous avez écartés, vous en avez parlé avec votre hiérarchie, est-ce qu'il y avait une procédure particulière pour dire que ces documents n'avaient pas trait à S21? Comment ça se passait exactement? Avant de déterminer si un document concerne ou non S21, nous discutons au sein du groupe. Nous discutons avec le chef d'équipe. Et ce, pour chaque document. Par exemple, les documents de Krang Tachan. Note qu'en général, les documents portent une signature en bas, tandis que pour les documents de S21, la configuration est différente de celle des documents provenant d'autres centres. Vous venez d'évoquer Krang Tachan. En dehors de documents provenant de Krang Tachan, est-ce que vous avez le souvenir de nom d'autres centres de sécurité pour lesquels vous avez vu des documents in respect of which you saw documents? Il m'est difficile de répondre à cette question. Si vous faites référence à un document particulier, je puis vous le décrire. Dans le cas contraire, vous m'invitez à émettre des hypothèses. En fait, c'était précisément ma question. Quand vous considériez, après une discussion collective, que un document n'avait pas trait à S21, est-ce que nous sommes d'accord que vous-même, vous n'aviez plus de raison de travailler sur ces documents, et c'est quelqu'un peut-être une autre personne de votre équipe qui travaillait sur ces documents? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre de votre réponse? Did I properly understand that to be your testimony? J'ai travaillé sur la liste de prisonniers entrant à S21. Pour ce qui est des autres documents ayant trait à d'autres centres de sécurité, j'ignore si d'autres membres de l'équipe ont travaillé dessus. Pour ma part, j'ai examiné uniquement les documents de S21, en particulier pour ce qui est des prisonniers entrants, comme cela est indiqué dans le mémorandum rédigé par le co-juge d'instruction internationale.
Et j'ai un dernier point à aborder and avec vous. I have one last point vous avez listé, enfin, évoqué les plus de 13 000 documents que vous avez compulsés pour établir cette liste. Je voudrais savoir si, en plus de ces documents-là, list, vous avez lu et étudié les déclarations de personnes qui travaillaient à S21, comme Duick, comme Imho, etc. Like Est-ce que ce sont des éléments que vous avez utilisés dans le cadre de votre travail de compilation ou pas du tout? Je dis ça notamment parce que nous savons que Duick a effectué, que ce soit dans ses interrogatoires devant les coachs d'instruction, que ce soit au moment où il a été interrogé devant cette chambre pour le procès 01 ou pour le procès 02. Nous savons qu'il a fait des commentaires sur ces documents. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées dans le cadre de l'élaboration de votre liste? Je n'ai pas travaillé là-dessus. Je n'ai pas utilisé des choses émanant du personnel de S21. J'ai seulement travaillé sur les listes de prisonniers entrants et sur les listes des aveux. Donc, mon attention s'est portée principalement sur ces listes-là. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président, et mon confrère Kung Samon n'a pas de questions. Donc, le reste du temps peut être alloué. Notre confrère de l'équipe du Nantier. We'll be happy if the rest of the time would be given to my colleague of the Nunchia team. Yes, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Hello again, à nouveau, bonjour, Madame le Témoin. The President briefly mentioned le président a déjà brièvement évoqué logbook, ce registre orange clearly seems to be, qui visiblement most likely seems to be an S21 semble document. Être un document de S21. What can you tell us in general about, de façon générale, que pouvez-vous en dire? Vous avez à présent vu ce registre? Est-ce que ce document vient modifier vos conclusions that is of limited use, ou bien for your analysis? N'est-il que marginalement utile à votre analyse? Réponse. Regarding the orange logbook, it is a master le list registre of prisoners. Orange, c'est une liste maîtresse and de prisonniers, that is also une liste principale. So it is a list of, c'est également un titre. A combined list of donc, a prisoner, c'est for une example, on a liste particular compilée. Day, how many prisoners par exemple, combien S21, de prisonniers sont arrivés à S21 à une date donnée. And who was the one who wrote c'est in that Hall logbook. Qui a I have the same, établi ce list, registre. Although it is not j'ai une liste identique, même si ce n'est pas le document original, et je m'y suis également référé dans ma propre liste. La liste portait la signature de Hoare, même si, dans le cas de ce registre, la signature de Hoare est absente. Hoare a envoyé à l'échelon supérieur une copie de la liste, tandis que lui conservait une autre copie. We can confirm that indeed question. Certain pages nous pouvons confirmer qu'en effet, certaines pages de ce registre figurent au dossier, but we have been able to identify, mais if I'm correct, si je ne m'abuse, nous n'avons pu en recenser correct, que that this quelques-uns. Est-ce bien le registre complet, intégral, pour une période donnée? Either Toolslang or DC Chem or the court only had et access to à ce jour, seuls quelques extraits de ce registre ont pu être consultés par Toolslang, par le DCK, mais par le tribunal, n'est-ce pas? Regarding the orange logbook,
reviewed I reviewed it and j'ai examiné ce registre orange. Certaines des parties de ce registre sont identiques et portent la signature de Horst. Je puis donc dire que c'est une liste tenue à jour par Horst lui-même S21. Il communiquait superior. À son supérieur, une autre and, liste. Towards the end of the logbook, orange vers logbook, la fin de ce registre orange, Hall's. On peut voir que l'écriture n'est pas celle de Hall. Question. Following up my initial question. Un geste suivi à ma question initiale. Did you have time enough to analyze this logbook eu suffisamment in de such temps a way pour analyser ce registre orange? Adapt your list, or is that de manière à adapter votre liste? Has that not been possible in the last few weeks? Ou cela n'a-t-il pas été possible au cours des dernières semaines? The title of the list réponse. Is the list of l'intitulé de la liste is a combined list of prisoners. La liste combinée des prisonniers. And Hall actually had the list in order to review on a particular day which prisoners afin from where they entered. Quels prisonniers so entrés the à list tel ou tel jour et d'où provenaient ces témoins. And at the bottom of the list comprenait des chiffres. There will be a note that if this prisoner A or B died of disease. Disons and there si is no other information A ou B containing in this logbook. Mort de maladie. And as I indicated earlier, if in the incoming prisoner list, comme je l'ai dit tantôt, this note was mentioned, then I would consider that and defer to si that. Si une telle note était portée, alors je prenais en compte une telle information et je m'y référais. Very well. Following up a question Coupe, from bien. The prosecution une autre question de suivi. Earlier this afternoon, à celle posée par le procureur cet après-midi, lists with names le of prisoners procureur vous a présenté une liste who were allegedly comportant executed. Des noms des prisonniers qui auraient été exécutés. Sometime in 77 or 78. En 1977 and, ou 1978. The prosecution asked you to to agree le procureur with them vous a demandé that you didn't have enough time de confirmer to add si vous n'aviez pas eu suffisamment de temps pour ajouter des dates d'exécution in your list. Des prisonniers dans votre liste. I'm not sure if I fully understand why it was that you didn't have enough time d'avoir bien compris pourquoi to do this. Vous n'aviez pas eu suffisamment de temps pour le faire. How many lists of executions, or how many execution combien dates were there? De listes d'exécution avait-il? Why combien is de it that you, in those 2 years that you've avait-il? Been working on this list, did not have pourquoi enough time pendant les deux ans où vous avez travaillé to tick the box sur la liste? A potential execution date? Pourquoi n'aviez-vous pas pu insérer une case portant les dates d'exécution éventuelles? My work réponse. Was to focus on the list of incoming dans mon prisoners travail, at S21 according to the year, for example, 1975 and 1976, the number of incoming prisoners exemple, at those certain periods. Then I proceeded to review other documents. Some of the Khmer Rouge documents, documents did not exist. Certains documents des Khmer Rouge n'existaient pas. The reason that I did not have enough time to review je n'ai pas eu suffisamment de temps the documents d'examiner tous les documents is because I may have confused the parce names. Que j'ai pu confondre les noms. So, concerning the list of executed prisoners, en ce qui concerne la liste des prisonniers exécutés, I needed much time to review carefully. J'avais besoin de davantage de temps pour les examiner
minutieusement. Sometimes the names are confusing, as well as the function and position of prisoners. I was so concerned about this fact. Some prisoners entered as 21, but they were not certains prisonniers killed. That is why I had to be very careful. Raison pour laquelle je devais faire preuve de prudence. Again, I did not have enough time to review the list of executed prisoners in cases 01 and 02. I was afraid that I may have confused with some names. J'avais peur d'avoir confondu certains noms. I'm not sure if I understand, but Maître Coupé, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais you did make, laissons cela de côté. An entry list, vous avez établi une liste des entrées not only date intitulée of arrest, date d'exécution, non pas seulement les dates d'arrestation prisoner, et les données personnelles des prisonniers pertinents. Mais apparemment, vous avez reçu pour instruction d'établir une colonne date of execution, intitulée date d'exécution. So, I presume that whenever you knew, je présume donc, or had reasons to believe that someone was executed, que chaque fois que vous aviez des raisons de croire qu'une personne avait été exécutée, in that column. And vous inséreriez cette date still is, dans cette why colonne. Did you, ma question reste. Having started this, decided not to add other execution dates. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas ajouter d'autres dates d'exécution? Sort of une fois ce processus entamé, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre méthodologie. The witness has just done her best to consistant answer faire les the choses identical en question, and now he's juiced up the same question, but le this is a repetitive a essayé de répondre a question à cette question, et maintenant the witness has explained already pose une question similaire. That it would require a lot cette of time to go back répétitive. And le search a indiqué to make sure these are duplicate entries and to find the names. Qu'il fallait beaucoup de temps pour I think this is repetitive of what the witness has already explained. Les doublons, je crois donc agree, que c'est une répétition de la réponse du témoin. Juge Fentz. Did you have from une question the beginning a time frame within which choses you had to finish this? Aviez-vous so un you chronogramme task, dans lequel vous deviez list, achever did votre your travail? Boss tell you, or your supervisor est-ce que tell you, votre this superviseur has to be done vous a dit by, que don't know, ce travail doit être achevé à telle date, ou telle date? A deadline? Aviez-vous des délais? Une date butoir. Yes, I had a limited time. Réponse oui. Oh, sorry, limited time. J'avais when un I temps say limité. Deadline, I mean, did somebody Juste tell you vous this needs de temps to be limité. Finished quand by? Je parle de délai. Now I am inventing vous a date, 30th of October 2016. What did such date not exist? Ou par exemple, au 30 octobre 2016, j'invente une date. Mais est-ce qu'une telle date butoir existait-elle? Nên khi ông chuẩn bị tha, nên khi ông miền giải về cầm nót, vận tải cầm nót limited time, that is to say in a year. For example, if I reviewed a list of incoming prisoners of sur l'année 1976 and 77, exemple, usually si, I was directed to review from which month to which month of that year, of those years. Quel then I had to move on to review années, other lists. I had ensuite, to consult with my head, team leader, to review a certain documents. So that is the limited time I am referring to. Voilà à quoi je fais référence lorsque je parle de temps limité. At the end, I went to Tourslai Museum to review documents there. Pour examiner les documents là-bas. It was by the time that I was told that my contract was to end c'est on that work. À ce moment-là, so if I understand you correctly,
The reason why this enterprise has remained incomplete is because your contract ended. And if I say incomplete, I mean certain data which were available were not included in your final list. Is the one reason or one of the reasons that your contract ended? And if it's not the only reason, what are the other reasons? Was that too much at one time for one question? Et si ce n'était pas l'unique raison, quelles en étaient les autres? Ça fait beaucoup de questions dans une seule. The main reason is that I had la principale raison limited time. My list was sent forwarded to the court on 30th December, March 2016. The list au tribunal was not once again reviewed by me after my submission of that list. Et je n'ai pas frankly speaking, réexaminé cette liste après l'avoir déposée. There may have had errors in the list since we did not once again review it. Il y a pu y avoir des erreurs dans la liste car nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. You were told this list has to be submitted to the court on the 30th of March, I believe you said, le 30 mars, no matter, do whatever you can until then. Et on vous a dit, faites is this ce que what you are telling me? And since you didn't get to everything, it's not date. Complete. Is this what you are saying? Est-ce que c'est ce que la Chambre doit comprendre? Faire tout ce qui est en votre pouvoir à cette date et déposer la liste, que le travail soit achevé ou pas? Let me add. We reviewed list of incoming prisoners of from 1976 up to 1979. So I reviewed lists of incoming prisoners. As for the list of executed prisoners, I did not complete the reviewing of those lists. And you told us, because of time constraints, et vous nous dites, the last des contraintes de temps, question we want an answer to is, why were there time constraints? Is it because your contract ended, or what else? I don't know how else to phrase it. It sounds like an easy question. It's not about method. It's about elle ne porte pas sur la méthode ou la méthodologie, mais les raisons pour lesquelles vous avez dû déposer une liste incomplète. I did not have enough time. Réponse, je n'ai pas eu assez de temps. Madame la juge. Just finishing the subject before the break, Mr. President. Pour terminer ce sujet avant la pause, Monsieur le Président. Whatever the reason might be, Madam Witness, les raisons, the prosecution is making the point, and we are eagerly awaiting their closing submissions on this subject. Le procureur. In fact, many more people were executed than 5,512. That you mentioned. Que now, de nombreuses personnes ont été exécutées, plus que les 5512 dont vous avez parlé. Et nous attendons la dernière conclusion écrite du procureur à cet égard. Right question hypothétique. À supposer que le procureur a raison. L'exemple qu'il a donné porterait quickly, le nombre d'exécutions, like si je calcule rapidement, à 6600 quelque chose. Are you in a position to say that that could be approximately the number that it might not be 5,500 but rather 6,500 or ce serait approximativement ce chiffre, is your non work pas 5,512, so incomplete that it might even go up further all the way up to 15,000. En raison so my question is, du are caractère you incomplet in a de votre travail, ce chiffre pourrait même être porté à plus de 15 000. As to how incomplete pouvez-vous nous the number of executions in your list is.
Is it where the prosecution nombre d'exécutions dans votre liste du caractère incomplet du nombre d'exécutions de votre liste? Est-ce que cela est conforme au nombre présenté par l'accusation ou cela va-t-il au-delà de ce nombre, de ce chiffre? I don't have any objection if the question is, do you have a basis to provide a rational, a reasoned estimate to the court of how many people are in the execution lists? But I think the witness should be clear that she should not be encouraged here to speculate and guess as to what the number would be if all the execution lists were reviewed. We, as counsel indicates, we are in the process of doing that, and it will be much, much higher than 6,600. But I don't. This witness should not be encouraged to speculate here. I would agree with the objection if it is any other witness. However, this is a witness who's working for an investigating judicial organ of the court. Nous avons ici un témoin qui travaille pour une instance judiciaire du tribunal. Is one of the crime sites in case 3. Et S21 est l'un des sites de crime retenu dans le dossier 3. As an analyst, evidence analyst, she should have some idea. Assurément, en tant qu'analyste, des éléments de preuve, elle doit avoir une idée de si ce chiffre peut être supérieur à 5,512, ou of her position as analyst, être porté à 6,600 en sa qualité d'analyste au sein du BCJI, her capabilities in terms of making. Elle pourra apporter cette réponse car cela rentre dans le cadre de ses capacités. I want to reiterate here that Judge Bolander expressly indicated in his limitations that this is not an expert witness who should be asked for opinions. Donner des conditions, so if she has a factual basis, et qui n'est pas un expert. To do so, that's one thing, but she shouldn't be asked for an opinion on how high the number could go. And counsel should also stop referring to 6,500. Just based on the five lists, again, as I indicated, it's over 7,000. And when we start going into more lists, it's a lot higher. That is all fine. That would be fine if we were in the beginning of this trial, but we are 9.5 years ahead. We have done S21 extensively. There's been a trial on S21, K001, and now sort of assuming that there might be much more at this stage, I find dans le dossier well. Can we shorten that? Witness, do you feel confident? And if you don't, tell us. Do you feel confident to give an estimate of the overall number of people who were executed at S21? Êtes-vous confiante pour nous donner le nombre exact de personnes exécutées à S21? Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez nous le dire. Cannot do it, tell us I cannot do it. I think she wants to confer with the legal officer. Maître Coupeux, le témoin consulte la juriste. I am not an expert on the S21. Je ne suis pas une experte de S21. How many people died? Je n'ai pas analysé le nombre de personnes décédées. I am here testifying as a witness on facts. Je suis ici pour témoigner comme témoin des faits. Sorry, so to sum up, the answer is no, you cannot, you don't feel confident to give an estimate as to the overall number of people who were executed in S21. Vous ne vous sentez pas suffisamment confiante pour donner une estimation du nombre de personnes exécutées à S21. Cannot give us the number. Tiens, trompe trop. That is correct, Your Honor. Réponse. Oui, Madame la juge, c'est exact. The chamber is grateful to you, Madame Hansotini.
Madame Hensatini, la chambre, you run out of questions. The chamber allotted much more time than it planned. La chambre vous a consacré davantage de temps que prévu, maître. Vous pouvez calculer le temps par vous-même. Put by Kyuson Pong defense team. L'équipe de défense de Kyuson Pong a posé deux questions. You did not even request additional time. Vous n'avez même pas fait une demande de temps supplémentaire. When I wanted to conclude the hearing, you stood up. So it is not really appropriate. Clôturer l'audience, vous manifestez, cela n'est pas approprié. Maître Coupe, je m'excuse pour ce malentendu. Je me suis levé car j'ai vu le temps. C'était le temps de la pause, raison pour laquelle je me suis rassis. L'équipe de Kyuson Pong nous a autorisé à utiliser le temps qu'elle aurait imparti. Je pense que pour ce témoin, la défense se disposait de deux sessions et l'accusation aussi. Le témoin devait être entendu toute la journée. Si je ne me trompe pas, from our side, but if that's il nous reste incorrect, pour notre session 20 minutes. Then that's it. Mais si telle est votre décision, alors soit. Counsel is clearly incorrect. He went up to almost 11:25 this morning. Elle est allée jusqu'à 11h25 ce matin. They have used their two full sessions. Ils ont déjà utilisé leurs deux pleines sessions. Cela ne veut pas dire que la Chambre ne peut pas accorder de temps supplémentaire si la défense le demandait, mais il faut formuler cette demande. It is certainly not correct that the defense has not used its two sessions. Et ce n'est pas exact que la défense n'a pas utilisé pleinement ces deux séances. I actually think that is true. Maître Cooper. So my request would be to have a little additional time. Je demande donc à la Chambre de m'accorder un peu de temps supplémentaire. So how much time do you want? It is clear to everyone that the defense team for Kyuson Pong had 20 minutes. I delay time a little bit up until 11:45 this morning. And a while ago, the last remaining 40 minutes were granted to the defense teams. And les 40 dernières minutes ont été accordées à l'équipe de défense. While ago, you asked additional time, but please indicate clearly how much time demander you really un temps want. Supplémentaire. Combien de temps what vous I really faudra-t-il want, précisément? Mr. President, I will not reiterate here. Maybe 20 minutes. Would that be? Peut-être 20 minutes. All right. Just a few additional questions. Cela serait-il possible? Juste quelques questions supplémentaires. Okay, please, and you can ask the question. Ce que je veux vraiment, je ne vais pas le répéter. Very briefly, le président, witness, vous êtes autorisé à continuer l'interrogatoire. Maître Coupe, madame le témoin, passons à un sujet tout différent. Dans votre liste du BCGI, vous faites référence à plusieurs reprises à la liste révisée des prisonniers de S21. The list that was originally made by, c'est la liste établie I believe someone initialement from the prosecution, par un membre who in du bureau du procureur based, qui, him or à son herself tour, on, also DC CAM documents. S'est fondé sur des documents du CD CAM également. This revised S21 prisoner list cette has liste révisée des prisonniers 12,273 entries, compte whereas 12,273 entrées. Alors que has, votre liste compte 15,101, excuse me. Can you explain the difference in numbers between those two lists? La différence des chiffres entre ces deux listes. I primarily works on the list of incoming prisoners and some lists of S21. I recorded the prisoners according to the year. I cannot explain you
about the differences in number, because we were in charge of different tasks. The result of in my list was from the documents that I reviewed. And the names were included in my list because of the supporting documents that I reviewed. I cannot explain you why there was a small number, smaller number of prisoners compared to the number of prisoners in my list. Comporte un nombre de prisonniers inférieur à la mienne. However, you have relied very extensively on the OCP list. Vous vous êtes fondé of the 15,101 entries, you refer sur la liste du 9,478 times. Et sur ces 15,101 entrées, the revised S21 prisoner list. Vous vous référez sur 9,478 de ces prisonniers à la liste révisée du bureau des co-procureurs. If we calculated correctly, there are 340 entries in your list, which only has as a source, the revised prisoner list. In other words, with 340 entries, the only source for your listing is pour 340 entrées sur votre liste, la seule source est la liste révisée des prisonniers de S21 établis par le bureau des coprocureurs. Pouvez-vous nous expliquer cela? I'd simply ask that if counsel could provide some examples. J'aimerais demander à la défense de fournir des exemples. So that we can see where this takes place in the OCIJ list. Pour que nous voyons où cela apparaît sur la liste du BCJI. While I'm searching, Maître Coupe, let me rephrase the question pendant que je cherche, a bit. Je vais un peu reformuler la question. For being more general, Madam Witness, is it en correct étant un peu plus général, Madame le témoin, that a number of entries in your prisoner list qu'un certain nombre has only sur votre liste the OCP revised list as a source? Non, did that happen? Source, if yes, que la liste why did that happen? Révisée des prisonniers établis par le bureau des coprocureurs. Si tel est le cas, pourquoi? I do not really get your question, counsel. Could you repeat it? Je n'ai pas véritablement compris votre question. Pouvez-vous répéter? Juge Fens, peut-être qu'un exemple faciliterait la compréhension. Yes, I have the list here. Maître Coupé, oui, j'ai la liste avec moi. Well, I'll just take any number. Je vais prendre un numéro for au hasard. Instance, 1459. Par exemple, le 1459. That is prisoner from the northwest zone. C'est un prisonnier de la zone nord-ouest. Di Samin. With a date of entry and a date of execution. Date d'entrée et date and d'exécution. Then, we go to the remark, and then it says only OCP's revised S21 prisoner list. Then it adds the number 1944. Source, liste révisée I can give more examples. Entry 16, 1460, 1492, 2184, and then I have another 360-something. Alors pour d'autres références, le 79, 1460, 1492, 2184 et 360 autres références. Is it correct that in a number of occasions you've only used as a source que dans certains cas, for a particular prisoner vous avez the OCP's revised S21 prisoner list? La liste révisée des prisonniers de S21 établie par le bureau des coprocureurs. L'accusation. J'ai eu l'occasion de vérifier la première référence. Il est incorrect de dire que la seule source citée, c'est la liste du bureau des coprocureurs. Il y a une référence également aux aveux de S21 qui ont été recueillis pour cette personne.
Well, what we have done, just to explain, Mr. President, is pour expliquer, Monsieur le Président, go to the column with ce remarks, nous avons fait, c'est and where nous it only says à la colonne, in the ERN, intitulé remarques, et il est dit OCP revised S21 prisoner list. We've all collected these. Révisée des prisonniers du bureau des coprocureurs. That's how we came to this number of 370. C'est comme ça que nous sommes parvenus au chiffre de 370. Examples. I can give other examples. Maybe there are better examples. Laissons de côté les exemples. Je peux en donner d'autres. Let me just take this example, en avoir for instance, numbers, if I'm correct, at least number 7753. Le 7753, si it's a prisoner also from correct. The Northwest Zone. C'est un prisonnier Nick de la zone Nord-Ouest, Nick Tren. And the only source, it et seems, la seule source is the OCP's revised S21 la prisoner liste list. Révisée and des he prisonniers is listed as number 6040. Bureau des coprocureurs, c'est le numéro 6040. Again, but first in general, Madam Witness, une fois is it correct or am I et wrong? De manière générale, Madame le témoin. Sometimes the only source est-ce for your entry dire, is the OCP list. En général, la seule source utilisée pour vos entrées, c'est la liste révisée du bureau des coprocureurs. Réponse. It is not correct what you said. Non. Let me clarify about it. In the remark column, dans la colonne remarque, the ERN number is 00161614. That is the referencing number. So you can check that page. You will see that the name appears on that page. Que le nom apparaît à cette page. The ERN number is the referencing le page RN that the name exists on that page. And the name is already existed in the previous list. I le did nom not déjà dans la liste antérieure. Solely on the OCP je ne me suis pas basé uniquement list, but I used the list to verify j'ai the name that I have found. Cette liste so the OCP, the revised OCP list is not donc, the sole source, original source du that I used. Des coprocureurs n'est pas la source unique ni well, la source originale. Excuse me, if I can identify the ERN references in both the examples dans provided les by deux counsel, exemples donnés par la défense, OCP les list, ERN ne sont pas tirés de la liste du bureau des coprocureurs, that is a long document, but it is a list, mais bien d'une liste of the prisoners de killed in 1978. Documents so d'époque. Those ERN references are two prisonniers contemporaneous tués en 78. OCP, donc, les list. Deux ERN concernent des documents d'époque et non pas la liste des coprocureurs. Well, let me rephrase it again. Je vais à nouveau reformuler la question. We have identified in your list dans votre about liste, 370 nous avons recensé environ 370 prisonniers in the column remark, pour lesquels, dans la only colonne reference remarque, being made to l'unique the OCP référence revised S21 prisoner list. La liste révisée de S21 établie par are you in a position to les coprocureurs. Under which circumstances you only dans quelles circonstances use the OCP list avez-vous in utilisé your remarks? When, uniquement when dans when vos remarques, la liste du bureau des coprocureurs. Dans quel cas de figure une telle situation se produit-elle? Réponse. I did not use the revised OCP list. Je I n'ai pas utilisé la liste the original révisée documents, du bureau des coprocureurs. Je me for suis example, référé au document original. As the EON's numbers in the, par that exemple, document show. Comme cela est montré again, ici avec le RN. I did not donc je le répète, base or use je on n'ai the pas revised utilisé list la liste of the OCP. Révisée du bureau des coprocureurs. The reference, the EON number
is to indicate the page where I got the names à la page où j'ai trouvé. Counselor, your question doesn't work because you keep speaking of identifying a couple of hundred where only the list is mentioned. Dites avoir recensé plusieurs centaines de cas. Or, vous n'avez donné que deux exemples et il s'avère que pour ces deux cas-là, il y a d'autres documents qui sont mentionnés. Donc, votre argumentaire se fonde sur des assises assez bancales. Veuillez donc préciser quand vous parlez d'avoir recensé plusieurs centaines de cas de figure. Je comprends bien, nous avons simplement effectué une recherche dans la liste des prisonniers du bureau des coprocureurs. Il y a environ 9478 renvois à cette liste. Si nous nous trompons en disant que dans 340 cas, seule la liste des coprocureurs est mentionnée, alors soit, mais pour terminer là-dessus, est-il exact de dire que vous ne vous êtes jamais fondé uniquement pour une entrée donnée sur la liste révisée du bureau des coprocureurs. That is correct. I did not rely solely on the OCP list. I mainly based on the original documents, not the documents that already compiled, that were already compiled by the OCP. Moving to briefly to another subject. Passons brièvement à un autre thème. Madam Witness, sometimes in certain documents, your example, parfois, in your binder, your example number 6, E3/2272, le document 6 de votre classeur, a particular person was quote-unquote in English removed. A été, en anglais, removed. It seems, and if I'm wrong, please correct me, that you interpret the word corrigez-moi si je me trompe, mais apparemment, vous interprétez ce terme, removed, comme étant synonyme is that correct? And if d'exécuter, yes, why is that? D'exécution. Si oui, pourquoi? To guide you a bit, E3/2272 is a document with the name Lakhvari on it. Comprenant le nom de Lakhvari, pour vous aider un petit peu, and it says, voici ce qu'on peut lire. Removed. Retiré. It's a person on the OCIJ list at entry 4243. C'est le numéro 4243 dans la liste du BCJI. Le témoin. Could you tell me which number this name appear? Le numéro. It's our document E3/2272. OCIJ list at entry 4243. Lakhvari. Le témoin. Regarding the document mentioned by you, the word removed means this smash or executed. Est synonyme de écraser ou exécuter. Why do you say that the word removed dites-vous execute que le terme retiré, removed, est nécessairement synonyme d'exécution? Réponse. In the
list of the documents, the name Elijah Avary dans is la liste de documents, appears in le that nom document de l'acte in the Avary list. Apparaît. And there is a handwriting il y a in the une note manuscrite in the document. Qui apparaît dans ce document. In the remark column. Et dans la colonne of my list, remarque de ma I liste, used the word executed. J'ai indiqué le terme exécuté. I used that word for the ease of my finding of the names. Et ce par facilité pour pouvoir plus facilement retrouver my final question. Dernière question. Madam Witness, is your sample 12 in your binder, that is document, dans votre classeur, document E3/8648. These are names of people released on 26 November 1977, en provenance de la division 920, dated to December 1977. And if I understand your list correctly, si je comprends bien votre liste, individuals who were released les personnes 3 days after their entry, relâchées in trois jours après leur arrivée S21 sont do you have that document? Est-ce que vous avez ce document? 8648. 8648. Let me clarify once again. The heading of the document is the names of those who were released on 26 November 1978 from Division 920. I heard from you December, but it's not December. Que vous avez dit décembre, mais ce n'est pas décembre. I said 26 November 1977. 26 novembre 77. These people were released. Ces gens ont été libérés. And according to the OCIJ list, et d'après la liste du BCJ, 47 of these people 47 were apparently de ces personnes re-arrested ont apparemment été à nouveau arrêtés. From S21. Can you explain that? Why? On the one hand, à partir de S21. Donc, d'une part, on a une liste de 100 personnes relâchées, at the same time, et en même temps, you list 47 dans votre liste, 47 de ces personnes sont mentionnées comme des prisonniers de S21. Réponse. Let me inform you again. E3/8648. There are names of those who were released on 26 November 1977. You asked me why some individuals were rearrested. My answer is that it based on the documents that I reviewed. C'est fondé sur les documents que j'ai examinés. Je comprends bien. A story about this list, cette liste appearing in a various une newspapers. Histoire. One of the elle a été visée on the case file. Dans des journaux. And, certains articles sont au dossier. Yuk Chang, well familiar with him, que vous connaissez bien, he used this particular list a utilisé cette as an liste example of prisoners pour illustrer who were le in cas fact released de prisonniers relâchés de S21. So it's not just a random example. Ce n'est donc pas un there exemple choisi about au hasard. Instance. Ce cas a fait pas mal parler de lui. Est-ce of those que vous pouvez dire released, pourquoi vous concluez que parmi ces 100 personnes relâchées, 47 of them apparently were re-arrested. Ont apparemment été arrêtées à nouveau. Uh,
Based on the documents that I reviewed, sur le fondement des documents que j'ai examinés, those are the prisoners who were indicated that they were released on 26 November 1977 were in one list. When I reviewed another document, quand j'ai examiné un autre document, and that name appeared in the later list that I reviewed, and it indicated that the individual was rearrested and detained at S21D. Ces gens ont été arrêtés à nouveau et emprisonnés S21D. I understand. I will not put the article je comprends bien, before you, but je ne vais pas vous présenter l'article, mais le directeur du DCCAM supposément a utilisé les mêmes documents que vous. His position, according to this article, et d'après is that these cet article, were released, lui estime que stop. Ces gens ont été relâchés, point final. First, counsel's not citing an article. Premièrement, la défense ne cite pas l'article. Ensuite, brochure, which is dans what I believe cette it actually brochure, is, car je crois that indicates que c'est de ça qu'il that s'agit, anyone did what this witness did, which was review all of the prisoner records. She cites here where she indicates que quelqu'un ait fait, fait le témoin, analyser certaines listes. And cites the documents. Ici, il est dit que des gens ont été réarrêtés et le document est cité. Donc, je ne comprends pas la question. La défense demande au témoin d'apprécier un point de vue qui n'est pas définitif, à savoir celui de Yuk Chan concernant le sort ultime de ces gens. Donc, la question semble déplacée. Maître Coppin. The Cambodia Daily article shortly, je vais E3 number, rapidement Mr. President, vous remettre la cote en E3 de l'article du Cambodia Daily. The brochure and the article was that these people were released. Ce qui était dit and en gros dans la brochure et l'article, c'est que ces gens ont été relâchés. Point final. La question, Maître Coppin, connaissez-vous cet exemple et savez-vous que Yuk Chang l'a dit aux médias a brochure, as the prosecution called it, qu'une brochure, comme le dit l'accusation, a été produite. Il y a eu des informations provenant du DCCAM, selon quoi, en réalité, ces gens ont été relâchés. Again, I would simply ask that he cite encore une fois, the article. All je prierai the article does la défense is de citer l'article. L'article document ne fait rien exists. D'autre que it de dire que ce document existe. Il n'y a aucune qualification. Rien n'est dit concernant le sort de ces gens après leur libération. Maître Coppin, j'ai à présent les E3 pour la brochure du DCCAM. Il est dit ceci, donc E3-7326, article du Cambodia Daily, E3-3992. But let me ask very general mais and, je vais poser and open. Une question ouverte et générale. Madame, are you aware Madame. Of Madame, Madame. Le président interrompt. Please, hold on. Allez-y. But, oh, il faut à présent changer le disque. We need to change it.